لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Donc chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui inshallah ta'ala, on va commencer avec un beau hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui a été rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam il nous dit Inna Allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Allah subhanahu le prophète alayhi salatu wassalam il nous dit que certes Allah subhanahu wa ta'ala il aime le serviteur, le abd, qui rassemble ces trois caractéristiques. Première chose qui est taqi, qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a taqwa, on l'a déjà expliqué auparavant. Le fondement et la source initiale de la taqwa provient du cœur et par la suite elle se propage, son effet elle se propage sur le reste du corps de la personne. Après ça, il dit alayhi salatu wa salam, la deuxième caractéristique c'est quoi? C'est al-ghani. Celui qui est riche par Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin des créatures, qu'il n'a pas besoin des autres. Alaysa Allahu bikafin abdahu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Al-Karim. Et comme on dit à chaque fois dans notre dua, Hasbunallahu wa ni'ma al-wakil. Hasbunallahu wa ni'ma al-wakil. Donc ça c'est la deuxième caractéristique. Et la troisième qui nous intéresse pour ce dars d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, il dit alayhi salatu wa salam, Al-Taqi. Al-Ghani, Al-Khafi. C'est quoi Al-Khafi? C'est celui qui est caché en quelque sorte. Une personne qui est cachée. Elle est cachée comment? Une personne qui est en quelque sorte comme ça, qui est secrète. Secrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire elle ne se fait pas remarquer de façon qui est volontaire. Ça veut dire qu'il fait ses actions pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et il y a un autre hadith qui a été rapporté par l'imam Ibn Majah, qui a été authentifié par certains ulama, qui nous donne à peu près la même information dans laquelle il nous dit, alayhi salatu wassalam, « Inna khayra ibadillahi » Certes, les meilleurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? Il dit, « Alladhina idha ghabu lam yuftaqadu, wa idha hadaru lam yuftan lahum » Il dit, alayhi salatu wassalam, les meilleurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux que lors de leur absence, ils ne manquent pas. Ça veut dire, on ne remarque pas leur absence. Quand ils ne sont pas là, les gens ne vont pas se dire « Ah, il est où lui? Comment se fait-il qu'il n'est pas venu ?» etc., etc. Parce que c'est quelqu'un à qui les gens ne donnent pas trop d'importance parce qu'il ne se fait pas remarquer. Et c'est aussi les gens Jazakumullahu khair. Et quand ils sont présents, « Lam yuftan lahum » ça veut dire on ne va pas leur donner trop d'importance. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils ne se poussent pas à se faire remarquer quand ils font leurs actions. Ils les font pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et c'est avec cette petite introduction qu'on va dire qu'il y a une règle très importante pour chaque croyant qui veut être sauvé et qui veut être sain et sauf, comme ils disent le jour du jugement devant Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Chaque croyant ne doit jamais compter complètement sur ces actions qui sont les actions régulières, ça veut dire les actions qui sont faites en public. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte que les actions qui sont faites pour lui subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, innama yataqabbalu Allahu mina al-muttaqin. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte que de al-muttaqin. Certains savants de tafsir, ils ont dit al-muttaqin dans ce verset, ça veut dire al-mukhlisin, les gens qui sont sincères dans leur intentions. Quand ils font une action, ils vont la faire pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. C'est seulement ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte.
Et c'est pour ça que le croyant, et ça c'est extrêmement important, les ulama, ils disaient à chaque fois que chaque croyant, ils conseillent à chaque croyant d'avoir certaines actions entre lui et entre Allah subhanahu wa ta'ala que personne ne connaît, même pas sa famille et son épouse. Ça veut dire, ça va être ses garanties en quelque sorte, son assurance. Ça ne veut pas dire que les actions que tu fais en public sont vaines, sont mauvaises. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, quand il nous parle de la sadaqa, quand on donne la sadaqa, qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala ? Dans sourate al-Baqara, in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Il dit subhanahu wa ta'ala, si vous montrez votre sadaqa, si toi tu vas faire une sadaqa quand tu vas sortir de la mosquée, les gens ils te voient, tu vas faire un don dans la boîte. Les gens ils te voient tant que à l'intérieur de toi-même, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit fa ni'mahi, c'est une action qui est extrêmement belle, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire les louanges de cette action. Mais وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Mais si vous la cachez et vous allez la donner aux pauvres, c'est encore meilleur pour vous. Ça veut dire que votre récompense va être plus grande. Et ça veut dire aussi que vous allez prendre moins de risques à annuler votre action par l'ostentation ou bien par rien. Ça veut dire qu'il y a une partie de notre religion qu'on n'a pas de choix que de pratiquer en public. Comme on a dit, ça ne veut pas dire que tu vas laisser tomber toutes les actions qui sont faites en public. Les ulama, ils ont dit, tu n'as pas le droit de laisser tomber une bonne action parce que les gens sont en train de te voir. Non. À chaque fois que tu vois que cette action, tu ne peux la faire qu'en public, alors tu dois la faire. Mais si tu as une possibilité de la cacher et qu'il n'y a pas une maslaha, un avantage exceptionnel à la montrer, alors là, c'est meilleur pour toi de la cacher. Qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wasalam, il nous dit dans Sunan al-Nasa'i? Écoutez ça, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas ce hukm-là. Il dit, alayhi salatu wasalam, صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. Il dit, oh vous les gens, faites votre prière à la maison. Pourquoi il dit, alayhi salatu wasalam, car la meilleure prière de la personne est sa prière chez lui, dans sa maison, sauf la prière obligatoire. Ça veut dire que tu ne peux pas dire, je ne vais pas venir pour salat ou le jama'a, je vais faire isha à la maison, c'est meilleur pour la cacher. Non, le prophète, alayhi salatu wasalam, il te dit que la prière obligatoire, surtout pour l'homme, quand tu la fais au masjid, tu vas avoir plus de récompenses. Mais pour les autres prières, c'est meilleur pour toi de le faire à la maison. Et c'est pour ça qu'il y a, moins, il y a vraiment très peu de personnes qui pratiquent cette sunna. Les ulama, ils ont dit que c'est meilleur pour toi, tant que tu sais que tu vas faire la prière à la maison, c'est meilleur pour toi quand tu viens au masjid. Tu fais la prière obligatoire, après ça tu sors, tu vas chez toi et tu vas faire salatul nafila chez toi. Par exemple, après salatul maghrib. Naam, après salatul maghrib, on a deux raka'a de ratiba, n'est-ce pas? Donc là, si tu sais, et seulement si tu sais, que si tu vas chez toi, tu vas les faire, c'est meilleur pour toi de sortir de la mosquée, d'aller faire ça à la maison, tu vas avoir plus de récompenses, incha'Allah ta'ala. Bien sûr, si tu sais, si tu n'es pas sûr, si tu penses que si tu rentres chez toi, shaitan, il va te dire, allez, va dans ton salon et allume la télé, etc., etc. Là, c'est meilleur pour toi de le faire au masjid pour t'assurer que tu fais ta nafila en quelque sorte. Et dans un autre hadith qui est chez At-Tabarani, il dit, alayhi salatu wassalam, فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, il est en train de faire une comparaison entre la prière que l'un d'entre vous fait chez lui comparée à la même prière qu'il ferait, il dit عليه الصلاة والسلام, حيث يراه الناس, dans un lieu dans lequel les gens vont le voir. Ça veut dire le prophète عليه الصلاة والسلام est en train de nous montrer ici que cette préférence est à cause de cet aspect de prière faite en privé versus prière qui est faite en public. C'est quoi cette comparaison? Il dit, c'est comme, en quelque sorte, la préférence de la prière obligatoire au-dessus de la prière qui est une prière surrogatoire, en quelque sorte, comme chez At-Tabarani. Donc, ça nous indique, mes chers frères et sœurs, en islam, que chaque musulman, il doit avoir un lot d'actions, en quelque sorte, des munitions d'urgence qui va cacher, qui va laisser pour le jour du jugement. Si toutes les actions ne sont pas acceptées, la majorité par ostentation, il va faire sortir
la garantie qu'il avait que ça, c'était des actions que j'ai fait seulement entre moi et entre Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, et le ikhlas est présent pour que ça va nous sauver devant Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala le jour du jugement. Il faut faire attention parce que, surtout de nos jours avec les moyens faciles de communication, etc., c'est bien de faire da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu prends ton téléphone, tu envoies comme ça un hadith, n'est-ce pas, par SMS ou bien un email avec un verset, etc. Tu vas sur internet, sur Facebook, les forums, tu postes. Tout ça c'est bien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais tout ça, c'est des actions qui sont en public. Ce n'est pas seulement ça la religion. Peut-être que tout ça, tu ne le fais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala et que ça ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois avoir une autre partie en quelque sorte qui est cacher ton plan B en quelque sorte, ton plan de contingence que tu prépares pour Yawm al-Qiyamah quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, vous connaissez tous le hadith de Sab'atun yudhilluhum Allah ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa. Les sept personnes qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous la protection de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Il a cité alayhi salatu wassalam, wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat 'aynahu. Il dit alayhi salatu wassalam, l'un d'entre eux sera une personne qui s'est rappelée d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala et qui a eu les larmes aux yeux par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit alayhi salatu wassalam, dhakara Allah khaliyan, en privé, il était tout seul, n'est-ce pas? Donc il s'est regardé sur Qaïd, qui est spécifié dans cette partie du hadith, qui nous montre que cette personne-là, parce qu'il a fait en secret, que son action était garantie et assurément pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et même les ulama salihin, ils nous donnaient l'exemple de ça. Pas comme on voit de nos jours, par exemple, bien sûr, non, on ne peut pas lire les quloub, n'est-ce pas, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans les cœurs des gens, mais parfois c'est de façon qui est exagérée, n'est-ce pas, comme lors de Ramadan, etc., fi salat at-tarawih, fi salat al-witr, tu vas voir des gens qui s'efforcent comme ça à pleurer pour montrer aux autres, et ils essaient de pleurer fort comme ça, ou bien ils essaient de dire amin, de montrer le khushu', et peut-être même qu'il est en train de ruiner le khushu' des autres, que les gens ne vont pas se concentrer parce qu'ils sont en train d'écouter. Non, as-salihun radiyallahu ta'ala anhum, ils faisaient leur meilleur pour faire le contraire, pour faire le contraire. Il a été rapporté que l'un des salihin, une fois, kana fi majlisin fa akhadathu al-abratu. Ça veut dire, il était dans une assemblée, on parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a eu ce moment d'émotion en quelque sorte, il a eu les larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'il a fait? Fatanakhama, il s'est comme mouché le nez en quelque sorte, et après ça, il a dit quoi? Ma ashadd az-zukam. Il a dit, oh, le rhume. comme pour en quelque sorte cacher, n'est-ce pas, comme pour couvrir, pour ne pas montrer qu'il est en train de pleurer par la crainte d'Allah, etc. Il essaie de trouver une autre justification. Il a été rapporté que l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il a été rapporté que parfois quand il faisait sa prière sur une terre qui était dure, il mettait un mouchoir qui était doux. Pourquoi, selon vous? Pour ne pas avoir de traces sur son front, n'est-ce pas? De nos jours, tu vas trouver certaines. En passant, il y a un verset que les gens comprennent mal. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit simahum fi wujuhihim min athari sujud, c'est pas le signe qui est physique que tu trouves. Non, simahum fi wujuhihim min athari sujud, c'est la blancheur, le nour que tu vois sur la personne qui fait as-salat, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, etc. C'est une chose qui est moral, n'est-ce pas, que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre. C'est pas quelque chose que tu peux faire en te frottant le front, etc. Ça ne veut rien dire. Si tu vois quelqu'un qui a un grand signe comme ça, qui est marrant, parfois tu trouves, wallahi, tu trouves quelqu'un qui fait même pas salawat al-khams, même pas les prières obligatoires. Il va même pas au masjid pour faire sa salat et il a un grand signe ici, je sais pas comment il l'a ramené. Imam Malik rahimahullah ta'ala, il a été rapporté que quand il faisait la prière sur une terre qui était dure, peut-être qiyam ul-layl, etc., il mettait un mouchoir doux, juste pour s'assurer de ne pas avoir de traces, pour qu'il ne montre pas aux gens par la suite qu'il est en train de faire la prière et que c'est un abid, etc., etc., etc. Regardez l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Imam al-Bukhari, rahimahullah, on parle souvent de l'imam al-Bukhari, grand alim, etc. Pourquoi est-ce que c'est seulement ces gens-là? Est-ce que parce que tout simplement, ils ont étudié la religion, ils ont passé leur temps à étudier, etc. Non, parce qu'aussi, ils avaient l'ikhlas pour Allah subhanahu wa ta'ala, as-sidq ma Allah azza wa jalla, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis de la baraka dans leur ilm et dans leurs livres, etc., etc., etc. Une fois, l'un des étudiants de l'imam al-Bukhari, il dit, nous étions dans le masjid, en train de faire,
majlis al-tahdith, des gens qui parlent, qui discutent hadith, ilm, etc., etc. Et il y a un homme qui a commencé à, en quelque sorte, jouer avec sa barbe, et il y a un cheveu qui est tombé de sa barbe, qui est tombé par terre, dans le masjid. Alors l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il dit, cet étudiant, moi je l'ai remarqué. Il a dit, imam al-Bukhari, rahimahullah, il a commencé à regarder, il regarde le cheveu, il regarde les gens, il regarde le cheveu, il regarde les gens. Dès qu'il a vu que les gens ne le voyaient pas, il a pris ça, il l'a mis dans sa poche. Ça veut dire, même un petit signe comme ça, juste pour nettoyer une petite trace de masjid, il le faisait pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Il ne voulait pas que les gens le voyaient en quelque sorte. Rabi' ibn Khuzaym, l'un des ulama, rahimahullah ta'ala, ils disent, كان لا يجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. Parfois, il était en train de lire dans le mushaf, dans le masjid, etc. Et un homme va soudainement venir dans le masjid, il s'en vient vers lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il le cachait rapidement avec ses vêtements, comme s'il faisait quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Pour ne pas montrer aux gens qu'il est en train de lire le Coran, Al-Karim. Nous, de nos jours, c'est le contraire. On essaie d'élever notre voix, d'embellir notre voix, etc. Quand quelqu'un va venir, juste pour montrer que nous, on est en train de lire le Coran, Al-Karim, eux, c'était une chose qui était complètement différente. Revenons au hadith. Donc, le prophète, alayhi salatu wasalam, il nous parle, « Rajulun dhakar Allah ta'ala khaliyan fafadat aynah ». Il nous parle aussi, alayhi salatu wasalam, d'une des personnes qui sera sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, c'est qui? Un homme qui a donné une sadaqa, il a fait un don, et par extrême de précaution pour son intention et pour son ikhlas pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a essayé, il a fait de son mieux pour que quand il donne la sadaqa avec sa main droite, sa main gauche ne va pas voir. Ça veut dire, elle ne va pas témoigner de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Seulement pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, en quelque sorte, il va être sous l'ombre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala le jour du jugement, le jour du jugement. Et ça, c'est l'une des actions qu'une personne, parce qu'on va voir, inshallah wa ta'ala, plein d'exemples, ça ne veut pas dire que tu peux faire tout ça, que tu peux être comme salaf salih, etc., etc. Mais chacun doit choisir c'est quoi une action qu'il peut faire de façon régulière, semi-régulière, presque régulière, en cachette pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Quelqu'un peut dire, moi je suis riche, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné de l'argent. Riche pas, ça ne veut pas dire millionnaire. Tu peux être riche parce que tu as de l'argent qui en épargne, que tu n'utilises pas, etc. Les gens, ils demandent à chaque fois, où est-ce que je vais investir mon argent? Fais une partie que tu vas investir pour Al-Akhira, n'est-ce pas? Tu vas la faire de façon qui est secrète. Il disait que Ali ibn al-Hussein, le fils de Al-Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, ça, son arrière-grand-père, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais malgré ça, ils disent qu'à sa mort, ils ont trouvé plein de traces sur son dos. Et quand ils ont enquêté comme ça, ils ont demandé, etc., ils ont trouvé que parce que Ali ibn al-Hussein, radiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, il partait la nuit, il allait prendre la nourriture et il allait la donner aux gens qui étaient pauvres. Et il y a une autre histoire de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, l'un des sahabes, si je me rappelle bien, c'était Talha, si je me rappelle bien, radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit qu'une fois, j'ai vu Umar, radiyallahu ta'ala anhu, amirul mu'minin, quand il était calife, je l'ai vu en quelque sorte la nuit. Lors de l'obscurité totale, il est sorti tout seul. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait dehors tout seul? Après ça, il a dit, je l'ai vu en train de marcher comme ça. Il regarde à droite, à gauche pour s'assurer que personne ne le voit. Il est parti en cachette, il est entré dans une maison. Je me suis dit, qu'est-ce que Amirul Mu'minin, il va faire? Il a eu comme un doute comme ça. Pourquoi est-ce que Amirul Mu'minin, il se cache, il va à cette maison, etc. Il a dit, je vais voir. Le matin, il est parti, il a frappé à la porte de la maison. Il a trouvé une vieille dame qui lui a ouvert la porte. Il a dit, qu'est-ce que cet homme est venu faire chez toi la nuit? Elle a dit, moi je ne le connais pas. Elle ne connaissait même pas que c'était Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Elle disait, moi je ne le connais pas, mais cet homme-là, depuis longtemps, il vient à chaque nuit pour faire le balai et nettoyer ma maison, etc., etc. Et il part. Ça c'est Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, amiru al-mu'minin, qui aurait pu se dire, moi je suis amiru al-mu'minin, je vais avoir le hajr pour toutes les futuhat, etc., etc., etc. Mais malgré ça, il a dit que peut-être que tout ça, ce n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois faire des actions que seul Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc ça, c'est une action facile pour quelqu'un qui est riche, quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de l'argent. Tu connais une famille, une femme qui est veuve,
N'est-ce pas? Tu connais un frère, tu as entendu parler qu'il a perdu son emploi, qu'il est lourdement endetté, etc., etc. Il a eu un incendie dans sa maison, etc. Tu peux aller dans sa maison, la nuit, personne ne te voit, tu ouvres la boîte aux lettres, tu mets une enveloppe d'argent et tu pars. Personne n'a t'a vu, mais c'est garanti, inshallah ta'ala, que ça c'est une action que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter de toi. Et en passant une petite parenthèse, il y a des gens qui croient que parce qu'on est au Canada, il n'y a pas des musulmans qui sont pauvres. Il y a des gens qui croient qu'à chaque fois que tu as de l'argent, tu dois l'envoyer quelque part, n'est-ce pas, en Afrique ou bien en Asie, etc. Ce qui n'est pas vrai. Même il y a certains ulama qui disent que c'est une obligation que la zakat de l'argent soit payée dans le pays où l'argent se trouve en tant que tel. Parce que le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, il a dit « Tu'khadu min fuqara, min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim » ou comme il a dit, alayhi sallallahu alayhi sallam. Donc, il faut faire attention. Et ce n'est pas parce que tu es au Canada que même les gens qui sont pauvres, ils savent qu'ils ne peuvent pas marcher dans la rue avec des vêtements qui sont déchirés, etc. Ils doivent prioriser la façon dont ils vont s'habiller, etc. Je connais des frères qui se sont un peu, qui ont déjà été impliqués en quelque sorte dans ce domaine pour aider certaines familles dans Ramadan, par exemple, avec des paniers alimentaires, etc. Et qui m'ont dit qu'il y a des gens qu'on connaissait très bien. On les voit dans la rue, etc. Et quand on est parti chez eux pour leur ramener de la nourriture, etc., on a constaté que ces gens-là étaient gravement pauvres, en quelque sorte, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Yahsabuhumu al-jahilu aghniya amina at-ta'afuf ». Ça, c'était juste une petite parenthèse. طيب, بعد ذلك, donc, nous avons « as-sadaqa ». Une autre forme que nous avons, c'est, regardons, on va prendre l'exemple de « al-ilm ». Al-ilm, comme on a dit, al-ilm, ça peut être ce que toi, tu vas distribuer, etc., etc. Si tu le fais publiquement, c'est bien. Mais si tu peux le cacher, c'est encore meilleur. Il y a certains ulama, grands a'imma du hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, muhadithin. Quand tu dis muhadith, c'est quelqu'un qui connaît par cœur des centaines de milliers de hadiths, comme ça, comme une machine. Tu lui dis, hadathana, il va te dire, fulan, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, quand ils faisaient leurs cours dans Majalis al-Tahdith, ils lisaient de leurs écrits. Pourquoi? Pour ne pas montrer aux gens que lui, il connaît par cœur et que tu peux me demander, etc. Il va prendre avec lui un papier comme si lui, c'est un jahil, il est juste en train de te lire, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un grand savant de l'imam de Madhab al-Shafi'i, l'imam al-Mawardi, rahimahullah. Ça c'est l'un des plus grands fuqaha, l'un des plus grands juristes de Madhab de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. On a ses livres jusqu'à aujourd'hui, ils sont disponibles. Al-Hawi, Al-Fiqh et Al-Ahkam Sultaniya, bien d'autres livres. Ils disent dans sa biographie, l'imam al-Mawardi, rahimahullah ta'ala, comment est-ce qu'on a eu accès à ses livres aujourd'hui? Ils disent que tout au long de sa vie, il écrivait ses livres sans dire à personne. À chaque fois qu'il finissait un livre, il le mettait dans un carton, une boîte qui était spéciale juste pour ses livres. Tout était stocké dans cette boîte. Personne ne savait qu'il y avait ses livres dans cette boîte-ci. Quand il a eu maradul maut, ça veut dire la maladie de sa mort, il a su qu'il va bientôt mourir, etc., etc. Là, il a demandé à une des personnes les plus rapprochées de lui, il a dit « Viens, je veux te parler ». Il a dit « Écoute ». Dans cette boîte, il y a tous les livres que moi j'ai écrits. Sauf que je ne veux les distribuer que si ils ont été écrits liwajillahi azza wa jalla, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a dit, reste avec moi et sois avec moi à l'instant de ma mort, quand tu vois que mon âme est en train de sortir, tiens ma main avec ta main. Si tu vois que je presse fort sur ta main, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté mes actions. فَخُذْهَا فَرْمِ بِهَا فِي نَهْرِ دِجْلَةِ. Prends cette boîte et jette-la dans la rivière. Et si tu vois que je vais tendre ma main, je ne vais pas la presser, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté mes actions. Va et distribue ces gens et dis-leur que l'imam al-Mawardi, il a laissé tel et tel et tel. Ilm, tout ça pour s'assurer encore une fois que si ce n'est pas liwajillahi azza wa jalla, il ne veut pas l'avoir le jour du jugement parce que ça va être contre lui, ça ne va pas être pour lui. Wal-iyadu billahi ta'ala. Et quand on a parlé de sadaqa en passant, vous savez qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wasallam a dit? Hadith qui a été authentifié par certains ulama. Sadaqatu sirri. Mada? C'est quoi la suite du hadith? Sadaqatu sirri. Tutfi'u ghadab al-rab. Il dit alayhi salatu wasallam que sadaqa, le don qui est fait en secret, il éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te protège contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un il a fait quelque chose qui lui ramène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il peut faire?
faire une sadaqa en secret. Et ça va te protéger, inshallah, contre la colère d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Taïb, une autre action, c'est qiyam ul-layl, la prière de la nuit. N'est-ce pas? Ça, c'est l'une des actions les plus importantes pour celui qui veut faire l'ikhlas, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour avoir des actions entre lui et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les ulama, ils ont mentionné, comme dans le hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, que les meilleures prières surrogatoires, après les prières obligatoires, c'est quoi? C'est les prières de la nuit, qiyam ul-layl, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran al-Karim? Inna nashi'at al-layli hiya ashad wat'an wa aqwa muqila. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des croyants qui faisaient qiyam ul-layl. Qu'est-ce qu'il a dit subhanahu wa ta'ala? Fi surati sajda tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dans sourate Sajda, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des croyants que dans ce bas monde, ils faisaient la prière de la nuit, ils se réveillaient, ils s'efforçaient à se réveiller pour faire la prière de la nuit et ils dépensaient pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la récompense? C'est quoi le retour? Al-jaza'u min jinsil amal, n'est-ce pas? La récompense est toujours équivalente à l'action, de la même nature de l'action. C'est quoi? Il dit subhanahu wa ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Alors il dit subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune âme qui peut imaginer ce qui leur était caché comme récompense. Mais urfiya, caché, n'est-ce pas? Donc regardez ici, tout comme eux, il n'y a personne qui imaginait que ces personnes-là faisaient des actions. Ça veut dire, toi tu peux le faire, toi tu peux le rencontrer dans la rue le matin, tu le vois, il est souriant, en bonne forme, etc., etc. Tu te dis, ce frère-là, il a dormi hier 9h, 10h. N'est-ce pas? Tu ne peux pas imaginer que lui, il fait qiyam ul-layl. Alors, tout comme toi, tu ne peux pas imaginer qu'il fait qiyam ul-layl, tu ne pourras jamais imaginer et personne ne pourra imaginer la récompense qu'Allah lui a réservée parce que seulement le jour du jugement, c'est lui qui va avoir accès à cette récompense auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Yalad salihin Hassan ibn Sinan rahimahullah ta'ala. Son épouse, ça veut dire sa femme, elle nous parle de comment est-ce qu'il faisait qiyam ul-layl avec ikhlas, avec sincérité en cachette. Regardez ça, regardez cet exemple. Elle dit kana yaji'u fayadkhulu ma'iya firashi thumma yukhadi'uni kama tukhadi'u al-mar'atu sabiyaha. Elle a dit que mon époux Hassan ibn Sinan, il venait, il me joignait sur mon lit, il dormait avec moi. ثُمَّ يُخَادِعُنِي كَمَا تُخَادِعُ الْمَرْأَةُ صَبِيَّةً. Ça veut dire, il me faisait un tour, tout comme la mère, elle faisait un tour à son bébé. Ça veut dire, la mère, elle fait quoi? Une mère, quand elle veut mettre au lit son bébé, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire semblant de dormir. Quand le bébé va dormir, elle va repartir, n'est-ce pas? Il faisait la même chose avec sa femme. فَإِذَا عَلِمَ أَنِّي نِمْتُ سَلَّ نَفْسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي. Quand il était certain que moi je dormais, il sortait du lit et il partait, il commençait à faire la prière qiyam ul-layl pour que même sa femme ne va pas savoir combien de qiyam ul-layl il va faire. Ça veut dire après ça, elle va se réveiller pour salat ul-fajr, il va se réveiller avec elle comme si de rien n'était. Elle va penser qu'il a dormi pendant des heures alors qu'il était en train de faire qiyam ul-layl, rahimahullahu ta'ala. Bien sûr, qiyam ul-layl, ça c'est une chose que nous on trouve extrêmement difficile. Pourquoi est-ce qu'on le trouve extrêmement difficile? Parce que première chose, à cause bien sûr de la vie, comment elle est faite de nos jours. Et deuxième chose aussi, parce que qiyam ul-layl, c'est seulement les gens qui sont sincères qui peuvent faire qiyam ul-layl. Qiyam ul-layl, c'est vraiment le plus haut degré de la foi, c'est en quelque sorte le fruit de toute la journée, des bonnes actions que tu as fait la journée, que tu vas prendre ce fruit à la fin. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas. On doit essayer et réessayer et réessayer. Et qiyam ul-layl, c'est une chose qui vient avec la pratique, avec beaucoup de mujahada. Tu essayes et tu réessayes. Regardez, l'un des salihis, l'un des salaf, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « كابت قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به 20 سنة. » Il a dit, j'ai souffert avec qiyam ul-layl pendant 20 ans. Et après ça, j'ai apprécié le délice de qiyam ul-layl pendant d'autres 20 ans qui sont après. Ça veut dire, les premières 20 années, il faisait qiyam ul-layl, il était fatigué, c'était fatigant. Et une nuit, peut-être, il essaye, il se réveille pas, etc., etc. Mais en essayant, sadaqa Allah azza wa jal, fa sadaqahu Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa alladhina jahadu fina لنهدينهم
Subulana, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et en passant, il y a une petite technique que l'un des mashayikh, l'un des ulama, il a mentionné, il a dit, si tu veux commencer à faire qiyamul layl et que tu trouves que c'est difficile, vous savez que Ramadan, c'est dans quelques mois, inshallah. Nas'alullah ta'ala an yuballighana Ramadan. Et Ramadan, c'est, encore une fois, Ramadan, c'est l'examen final. Tu dois faire tes révisions à l'avance, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand arrive Ramadan, à chaque fois, on va faire qiyamul layl. On va faire 3 jours, 4 jours, et après ça, on trouve que c'est difficile de faire ça pendant tout un mois. Tu fais 2 heures de qiyamul layl, tu vas te dire, c'est trop fatigant, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ça ne va pas de 0 à 1 heure, 2 heures. C'est un entraînement qui doit être préparé, n'est-ce pas? Il y a des gens, comme les gens, par exemple, malgré que, bien sûr, ma'al fariq, n'est-ce pas, les sportifs qui préparent leur compétition, etc. Quand ils vont venir pour jouer la compétition internationale une fois par 3, 4, 5 ans, ils se sont déjà préparés pendant des années. Après ça, c'est tu as un match, tu gagnes ou tu perds, c'est fini, n'est-ce pas? C'est pas le temps de te préparer, de te dire je vais faire maintenant mon exercice, etc. C'est la même chose. Donc, ce alim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si tu veux faire qiyamul layl, tu trouves que c'est difficile, il te donne une technique très simple pour commencer à faire qiyamul layl avec 10 minutes seulement. On sait tous que dans la sunna, idéalement, comment est-ce qu'on fait qiyamul layl? Combien de raka'a? Na, at-tahajjud. Au total. 11, c'est avec ce qu'on appelle chef'wa al-witr. Mais le qiyamul layl en tant que tel, c'est 8 raka'a, n'est-ce pas? C'est 2, 2, 2, 2, n'est-ce pas? Malgré qu'il n'y a pas de restriction, on ne va pas entrer dans tout le débat de est-ce que c'est 20 raka'a, etc. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, a dit « Salatul layli mathna mathna » ou « Kamaqala, alayhi sallallahu alayhi sallam, si tu veux faire 50 raka'a, vas-y. » Mais idéalement, dans la sunna, le plus que le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, faisait habituellement, c'est il faisait par 8 raka'a. Ça veut dire 2, 2, 2 et 2, n'est-ce pas? Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ce alim, il te dit, c'est très simple. Commence à faire 8 raka'a. À partir de ce soir, il te dit, tu dois commencer sur place. N'attends pas jusqu'à la semaine prochaine. Tu commences avec 8 raka'a. Dans chaque raka'a, tu vas lire surat al-Fatiha et un seul verset. Surat al-Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu akbar, tarka. Et une deuxième raka'a. Ça te prend combien de temps pour faire 8 raka'a comme ça? 10 minutes, n'est-ce pas? Une prière qui est brève, très simple. Tu as fait ton qiyamul layl. Tu fais ça pendant une ou deux semaines. Après ça, tu vas dire, maintenant je suis très habitué, alhamdoulilah. Je vais commencer à faire deux versets par raka'a. Et tu fais ça pendant deux autres semaines. Après ça, trois versets. Et tu augmentes, tu vas trouver qu'après deux, trois, quatre années, incha'Allah ta'ala, idha atad Allah ta'ala fi umurik, tu vas trouver que tu es en train de faire une heure de qiyamul layl, c'est naturel. Et si tu vis, incha'Allah ta'ala, pour un autre 10 ans, 20 ans, tu vas trouver que tu vas être comme dans Salaf Salih, radiyallahu ta'ala. Donc, tu peux faire 3-4 heures de qiyamul layl, ça fait partie de ta vie. C'est totalement une chose qui est naturelle, en quelque sorte, parce que tu t'es habitué à l'avance. Et ça, bien sûr, c'est une grande action qu'on peut faire. Liwajillahi azza wa jal. Quelqu'un va nous dire, moi, je ne peux pas faire qiyamul layl, je ne peux pas te donner de sadaqa. Je ne suis pas riche et mon sommeil est trop profond, etc. Je ne peux pas faire qiyamul layl. On va lui donner une autre option. C'est quoi l'autre option? C'est as-siyam. Allah azza wa jal yaqul, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Le jeûne, n'est-ce pas, comme dans le hadith qui est Qudusi. Et le jeûne, encore une fois, quand tu le fais pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, sans montrer aux gens que aujourd'hui c'est vrai, j'ai le jeudi, hein, je dois acheter des dates. Je dois acheter des dates, aujourd'hui c'est le jeudi. N'est-ce pas? Pour montrer aux gens que il y a une histoire d'un Arabi, un Bédouin, n'est-ce pas? Il était en train de faire une prière, il faisait la prière longue, etc., etc. Il y a un homme qui lui a dit Ma ahsana salataka ya Arabi. Ta prière est si belle, ya Arabi, tu es en train de faire le khushu', etc., etc. Il s'est tourné vers lui, il a dit, et si seulement je te disais que je jeûne en plus de ça. Ça veut dire, tu dois savoir que je fais encore plus que ce que tu peux imaginer. Regardez ça, il y avait l'un des salihins, Daoud ibn Abi Hind, rahimahullahu ta'ala, sama 40 sanatan, la ya'lamu bihi ahluhu. Pendant 40 ans, il faisait le jeûne. Ça veut dire pas nécessairement à chaque jour, parce que siyam ud-dahr, c'est interdit. Ça veut dire quand il faisait le jeûne pendant 40 ans, il le faisait sans que sa propre femme ne puisse savoir. Comment?
يحمل غداءه فيتصدق به في الطريق. Il travaillait et à chaque matin, il prenait avec lui sa nourriture. Sa femme va lui donner la nourriture, elle est prête. Il la prend, il sort et sur son chemin, il va la donner comme sadaqa aux pauvres. Et il va, il travaille, il revient le soir comme si de rien n'était. Elle est où ta nourriture? Elle n'est pas là, ça veut dire qu'il l'a mangé. Alors qu'en réalité, il l'a donné comme sadaqa, il est revenu. Même sa femme ne savait pas que lui, il était en train de jeûner. Regardez ça. « Kana ba'du salihin, idha asbaha sa'iman, iddahana, wa masaha shafatayhi min duhnihi, hatta yandura ilayhi nadiru, fala yara annahu sa'im. » Il y avait l'un des salihin, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il se réveillait le matin et quand il voulait jeûner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, en quelque sorte, mettre de la crème, ce qu'on appelle de nos jours les produits de soins, n'est-ce pas? Sur son visage et même sur ses lèvres, pour avoir en quelque sorte l'apparence de quelqu'un qui est bien hydraté, n'est-ce pas? Qui a la peau hydratée, qui a bien mangé, l'a bien bu, etc. Ça veut dire pour faire le contraire, pour ne pas montrer de cernes, de signes de fatigue, etc. Pour que les gens ne puissent même pas penser que lui, il est en train de faire as-siyam ou bien le jeûne. Tout ça, encore une fois, pour cacher son action. Liwajhillahi azza wa jal. Donc, en général, comme on a mentionné, mes chers frères et sœurs, en islam, Allah subhanahu wa ta'ala et salihun, il conseillait que chaque croyant doit avoir des actions qui sont seulement entre lui et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Je me rappelle une fois, on parlait d'un sujet, j'ai oublié complètement c'était quoi le sujet, on a parlé d'un sujet, on a parlé de an-nifaq, l'hypocrisie ou al-iyadu billah. Il y a un frère qui m'a demandé la question après la khutbah. Il m'a dit, c'est quoi maintenant tu as parlé de l'hypocrisie? C'est quoi la chose qui protège contre l'hypocrisie? Je dis, c'est pas moi qui va te dire, mais l'ulama, ils ont dit que l'une des meilleures choses qui te protège contre l'hypocrisie, c'est quoi? C'est les bonnes actions entre toi et entre Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que l'ulama, ils disent, on ne connaît pas quelqu'un dans l'histoire, la yu'lamu ahadun intakasa, qui s'est détourné du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Intakasa, ça veut dire quelqu'un qui était sur la droiture et qui est revenu vers l'égarement ou l'iyadu billahi ta'ala. Ils disent, on ne sait pas quelqu'un qui a regroupé deux choses et qui est tombé dans al-intikas wa artadda ala aqibayhi wa l'iyadu billah. C'est quoi? Al-ilm wa l'ibada. Quand ces deux choses-là vont être disponibles, ça va te protéger bi-idhnillah azza wa jal. Al-ilm, c'est quoi? C'est le savoir. Parce qu'il y a des gens qui s'égarent à cause de leur ignorance. Il y a du shubuhat, n'est-ce pas? Il commence à lire des choses bizarres, il ne trouve pas de réponse, il n'est plus convaincu, il pense que c'est vrai ce qu'il a eu, c'est, il se détourne du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui non, ils connaissent, wa adallahu Allahu ala ilmin, comme dans le verset, n'est-ce pas? Il y a des gens qui connaissent, mais il n'a plus la foi interne qui le pousse à pratiquer ce qu'il connaît à cause du fait qu'il ne faisait pas assez de ibadah pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ces ibadah qui sont cachés, encore une fois, nous protègent contre les fitan, n'est-ce pas? Quand il y a des fitan, quand il y a des problèmes, des choses qui sont insécures, etc., etc., les gens vont à droite, à gauche, ils ne savent plus quoi faire. Il y a toujours la ibadah qui vient te sauver bi-idhnillahi. Azza wa jal, c'est pour ça le prophète alayhi salatu wasallam nous dit dans le hadith authentique, ibadatun fil harji ka hijratin ilay. Il dit alayhi salatu wasallam, la ibada, ça veut dire le fait de faire beaucoup de bonnes actions, de dhikr, qiyam ou layl, etc. Lors des moments de al-fitan, al-harj c'est al-fitan, quand les gens sont en train de s'entretuer, tu ne sais plus qui dit la vérité, qui dit le faux, tout est mélangé en quelque sorte. Il dit, celui qui fait la ibada dans ce genre de moment, c'est comme si celui qui est en train de faire la hijra vers moi, parce que tu es en train de te réfugier auprès du chemin d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Tout comme la hijra, c'est le fait de se réfugier auprès du prophète alayhi as-salatu wa as-salam. Et une fois, comme dans Sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a dit? Istayqadha min al-layli fazi'an. Une fois, le prophète alayhi salatu wa salam, il s'est réveillé au milieu de la nuit et il était terrifié alayhi salatu wa salam. Au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام, il a dit, oh seulement si vous saviez les fitan, les grands, en quelque sorte, les grandes épreuves qui viennent de descendre lors de cette nuit. Ça veut dire tous les problèmes qui sont arrivés après le temps du prophète عليه الصلاة والسلام, jusqu'à ce qu'on voit de nos jours. Il a dit عليه الصلاة والسلام, seulement si vous saviez qu'est-ce qu'il a été, qu'est-ce qui vient d'être descendu vers cette terre en quelque sorte en termes de fitan. Après ça, qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu wasalam? Après ça, man yuqidu sawahib al-hujurati
ليصلين. Il a dit عليه الصلاة. Alors qui va réveiller صواحب الحجرات? Ça veut dire ses épouses, à lui أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن, pour qu'elle fasse la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière de la nuit te protège contre eux. الفتن بإذن الله عز وجل والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لخير العمل وأن يتقبل منا أجمعين إن شاء الله تعالى. Donc si vous avez des questions إن شاء الله sur le sujet avant qu'on ne ferme إن شاء الله. تفضل. Non. Tandis que vous dites qu'il faut faire le qiyam sans que ta femme... Non. Très bonne question. Le frère, il dit, il y a un hadith qui nous parle du mérite de celui qui réveille sa femme pour la prière de la nuit et de celle qui réveille son époux pour faire la prière de la nuit. Il dit alors que toi, tu nous as dit tout à l'heure l'histoire de celui qui a fait son qiyam ou layl alors que même sa femme ne savait pas, etc. etc. Exactement. L'histoire de tout à l'heure ne te dit pas que tu ne dois pas faire Qiyam al-Layl avec ta femme. Elle te dit que c'est très bien de faire Qiyam al-Layl avec ta femme, tout comme le prophète, alayhi salatu wasalam, il faisait. Mais idéalement, encore plus que ça, tu fais Qiyam al-Layl avec ta femme et tu as aussi une portion de Qiyam al-Layl que même ta femme, elle, ne connaît pas. Et que même elle, elle a une portion de Qiyam al-Layl que même toi, tu ne connais pas. Ça veut dire qu'il y a une femme, par exemple, qui son mari est en voyage, elle va faire Qiyam al-Layl alors qu'il n'est pas présent. Il ne sait pas qu'elle est en train de faire Qiyam al-Layl. Hassan ibn Sinan, qu'on a cité tout à l'heure, rahimahullah ta'ala, probablement qu'il se réveillait tout seul, en secret, il faisait Qiyam al-Layl. Après ça, après un certain temps, il va réveiller sa femme, il va lui dire « Réveille-toi pour faire Qiyam al-Layl ». Elle ne sait pas qu'elle pense qu'il vient de se réveiller. Vous voyez? Non. D'autres questions? La période de Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl, c'est après Isha jusqu'à juste avant le Fajr. Il y a certains ulama qui disaient que même après Maghrib, tu peux commencer à faire Qiyam al-Layl. Donc, tout ça, c'est un temps pour Qiyam al-Layl, sauf que Qiyam al-Layl, le plus tard, le meilleur. Idéalement, ça serait lors du dernier tiers de la nuit, parce que ça, c'est le meilleur moment de Qiyam al-Layl. Et il y a certains savants qui disent... Qiyam al-Layl est de plusieurs formes. Le meilleur Qiyam al-Layl, c'est ce qu'on appelle At-Tahajjud. At-Tahajjud, c'est quoi? C'est le fait de se réveiller pour la prière après s'être couché. Ça veut dire après le sommeil. Pourquoi? Parce que ça te donne, encore une fois, de l'énergie, etc., etc., etc. Mais on va dire, ce n'est pas nécessaire, parce que quelqu'un va dire, moi, je ne suis pas sûr de me réveiller, etc. Peut-être que je ne vais pas me réveiller. Si quelqu'un, il sait qu'il ne va pas se réveiller, alors qu'il fasse Qiyam al-Layl avant de dormir. Non. Oui. Très bonne question. Comment est-ce qu'on calcule le dernier tiers de la nuit? Tu vas calculer la différence entre le adhan de Al-Maghrib et le adhan de Al-Fajr. Après ça, mettons, tu vas trouver, mettons, juste un exemple, tu vas trouver l'été par exemple, c'est 6 heures entre les deux. 6 heures divisé par 3, c'est combien? 2 heures, ça veut dire 2 heures avant Fajr. Si Fajr, mettons, à 4 heures, ça veut dire le dernier tiers, ça va être à 2 heures. Non. Non. Et on a aussi le premier tiers de la nuit, n'est-ce pas? Le premier tiers de la nuit qui est important. Pourquoi exactement? Le premier tiers de la nuit, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique l'heure, l'horaire de Salat al-Isha, n'est-ce pas? Parce que Salat al-Isha, contrairement aux autres prières, tu peux la retarder un peu. Même certains ulama, ils disent que c'est meilleur de la retarder. Si ça ne nuit pas à ta prière de Jama'a, etc., tu peux la retarder jusqu'à quand? Jusqu'au premier tiers de la nuit. Ça veut dire jusqu'à environ 10h30, 11h environ. Si tu veux laisser Salat al-Isha, si quelqu'un, par exemple, soit ils sont un petit groupe dans la mosquée, ils sont flexibles, etc., ou bien quelqu'un ne peut pas venir à la mosquée, il prie chez lui, ou il est en voyage, etc., il n'y a pas du tout de mal à retarder jusqu'au premier tiers de la nuit. C'est encore meilleur selon certains. Parce que je vois parfois certains frères que quand tu vas, mettons, tu vas à un mariage ou bien à une fête ou bien à une activité, n'importe quelle chose, il y a des frères, dès que l'adhan de Salat Isha va arriver, il va dire Isha, 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 il veut que tout le monde se réveille pour Isha, alors qu'en réalité, al-waqt wasi'un, et même parfois, selon certains ulama, comme dans le hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, c'est meilleur de retarder ça le plus que possible jusqu'au premier tiers de l'année. C'est vrai qu'ils disent que Salat Isha doit être la dernière chose après.
Non, صحيح, non. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous a encouragé à ne rien faire après salatu al-isha. Idéalement, normalement, quand tu fais salatu al-isha, tu vas dormir. Sauf, les ulama, ils ont dit, sauf certaines exceptions, celui qui va veiller pour rester avec sa femme, avec sa famille par exemple, ou bien quelqu'un qui va veiller pour être avec, pour être dans masalih al-muslimin, pour des choses qui sont importantes, que ça soit ilm, que ça soit un travail qui est commun, qui est nécessaire, etc., etc. Mais veiller, juste pour veiller, c'est une chose qui est makrour, qui est détestable, que normalement, on ne devrait pas la faire. Bien sûr, de nos jours, le monde est complètement à l'envers. Non, dans certains pays, même dans certains pays musulmans, après Isha, c'est là où la journée commence. Même si tu vas dormir, je suis parti à certains pays, si tu veux dormir après Salat al-Isha, même à 11h du soir, même si tu es sincère, tu veux dormir, tu ne peux pas dormir. Tu vas sur ton lit, c'est comme tu as presque une discothèque dans ta chambre. Les magasins dehors et à fond, etc. etc. Non. Et juste après Fajr, juste avant Fajr, juste une demi-heure avant Fajr, ça y est. Tout ferme, etc. Et tout le monde va dormir. Le monde à l'envers. Non. Tout à fait. Tu peux faire 4 raka'at en début de la nuit. Après ça, tu laisses les autres 4 raka'at pour la fin de la nuit. Non. Oui. Les raka'at, les ulama, ils ont dit tu peux les faire sirran en secret ou bien... Ça veut pas en secret, mais à voix basse. Il faut faire attention, une petite autre distinction. Sir fi salat, la prière qui est sir, comme salat al-dhuhr, al-asr, par exemple, c'est pas secret. Il y a des gens qui pensent que c'est secret. Tu bouges tes lèvres seulement. C'est pas ça. Tu dois lire. Il doit y avoir quelque chose qui sort de toi. Ça veut dire tu lis en secret, n'est-ce pas? Tu lis à voix basse, pas tu ne lis pas du tout. Ça veut dire c'est quoi le mi'yar? Ils disent les ulama. Lire sirran à voix basse, ça veut dire tu vas lire d'une façon que ça va être seulement toi qui va t'entendre. Il doit y avoir quelque chose qui sort. C'est pas seulement de bouger tes lèvres ou même parfois il y en a qui bougent pas. Il est juste comme ça debout, il est en train de lire avec sa tête, je sais pas. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait la prière. Pour revenir à la question du frère, les ulama ils ont dit pour tous les nawafil, pour toutes les prières surrogatoires, tu as le choix entre les faire à voix haute ou à voix basse, mais ils disent que c'est meilleur lors de la prière de la nuit de faire à voix haute et lors des prières surrogatoires de la journée de les faire à voix basse, n'est-ce pas? À voix basse. Et quand tu fais ça à voix haute la nuit, c'est avec la condition aussi de ne pas déranger les autres. Quelqu'un qui dort, etc., etc., etc. Tout comme il a été mentionné dans la sunna qu'on fait ni à voix trop haute, ni à voix qui est trop basse entre les deux, en quelque sorte. C'était quoi l'autre question? Taïb, est-ce qu'on peut tenir le Coran? Une autre question qui se répète beaucoup. Pour tenir le Coran, en général, première chose, on ne peut pas tenir le Coran lors d'une prière qui est obligatoire. La yajouz, les 5 prières, on ne peut pas lire le Coran, tenir le mushaf comme ça et lire. Pour les prières surrogatoires, oui, il n'y a pas de problème. Avec la condition que ce soit toi qui lis. Ça veut dire que si tu es dans Salat et Tarawih, une autre erreur qui est commune, lors de la prière de Tarawih, le Ramadan, si le imam il est en train de lire, tu n'as pas le droit de prendre le mushaf et de dire je vais suivre avec lui parce qu'il n'y a pas de hajj, n'est-ce pas? Ça c'est seulement pour quelqu'un qui est imam ou bien qui va réciter pour lui-même, pour soi-même et qui veut lire du mushaf, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Non. Dans certains cas, dans la majorité des cas. Si c'est pour corriger le imam, c'est autre chose. Parce que ça va entrer dans la fonction du imam, c'est exactement la même chose. Si le imam, il lit de sa propre récitation. Non. Mais si quelqu'un, il va dire, moi, c'est seulement pour suivre, je veux suivre, comme la majorité des personnes, ils font, ils ramènent un mushaf de sa poche, ils disent, je veux suivre avec le imam. Non, ce n'est pas une chose qu'on doit faire, comme les ulama, ils ont mentionné, parce que ça dérange le khushu' dans la prière, parce que le asm, la règle dans la prière, c'est que on ne touche rien, on ne manipule rien. On doit être... Comme ça, l'exception est faite pour certaines situations. Comme on a dit, première condition, c'est qu'une prière, que ça ne soit pas une prière obligatoire. Deuxième condition, c'est que tu dois, si tu veux lire pour toi-même, tu n'es pas un hafiz, tu veux lire Qiyamul Layl, il n'y a pas de problème, inshallah ta'ala, à tenir le mushaf. Non, ça. Non, ce n'est pas obligatoire. Pour le imam.
Pas pour le ma'moum. Parce que pour le ma'moum, ce n'est pas lui qui récite. Il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de haja. Parce que lui, il est là pour entendre. Il doit... La fonction du ma'moum, c'est d'écouter. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Certains savants, ils ont dit que ce verset-là, c'est pour la prière, pour la salat. Ça veut dire quand le imam, il récite, toi, ta fonction en tant que ma'moum, c'est d'écouter, pas de manipuler le mushaf. Non, non. Dans cette question, non. Très bonne question du frère. Le frère, il nous dit, si quelqu'un, il fait une bonne action pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, mais par la suite, il se trouve à parler de son action qu'il a faite. Et ça, c'est un autre danger. Ce que les ulama, ils appellent at-tasmi'a. Il y a al-riya, l'ostentation qui se fait lors de l'action. At-tasmi'a, c'est la promotion de ton action après ça. Et ça, ça fait partie de muhbitat ou l'a'mal. Ça peut annuler tes... actions. Ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dans notre verset, innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ça, il faut faire très attention parce qu'on vit dans un monde et plus spécifiquement dans une société qui promouvoit beaucoup cette question-là de chercher la reconnaissance, n'est-ce pas? Tu vois, les gens, ils vont faire un don, ils reçoivent une lettre de reconnaissance. Quelqu'un, il va faire un grand don, on va lui donner un bâtiment, une bâtisse qui va être sous son nom, on va mettre sa photo, etc. Et toi, tu vas te sentir tenté à chercher la même chose. Pourquoi est-ce que moi, je donne de l'argent à la mosquée, il ne m'envoie pas une lettre pour dire « Jazakallahu khayran » et tu es généreux, etc. etc. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous, en tant que mu'minin, on doit suivre al-muttaqin comme dans le Coran al-Karim. « Innama nut'imukum » liwajhillah, quand ils vont nourrir les pauvres, ils disent, on vous nourrit seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jaza'an, on ne veut pas de vous une récompense, un retour, un service, ni même wala shukura. On ne veut même pas de merci, on ne veut pas de reconnaissance parce qu'on le fait seulement pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc il faut faire attention, il ne faut pas annuler nos actions en faisant le tasmi'. Ouais, moi c'est ça l'autre fois, wallah, et j'avais vraiment besoin de mon argent. Et ils ont dit qu'ils ont besoin d'un don, etc. Je ne voulais même pas donner ça devant les gens. J'ai vu à droite, à gauche, parce que ce n'est pas bien de donner devant les gens. Tu veux faire ça, les wajidillah azza wa jal, etc. Tu viens d'annuler ton action. Tu as travaillé fort, tu as travaillé dur, etc. Après ça, tu vas dire aux gens. Seulement s'il y a une maslaha rajiha et que tu sais que ton intention, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il parle du bon riya. Riya qui est encouragé, la bonne ostentation. C'est quoi la bonne ostentation? C'est quand tu vas volontairement montrer ton action pour tel ou tel autre maqsad shar'i. Parce que tu veux que les gens obéissent plus à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme tu veux montrer aux gens comment faire la prière. Regardez-moi, je vais vous montrer comment faire la bonne prière pour que les gens vont apprendre. Ou bien, les ulama, ils donnent un autre exemple, ils disent, mettons que toi, tu es avec, mettons, on est 5, 6 ici. L'un de nous, il est pauvre, il n'a pas beaucoup d'argent. Les autres sont des riches, mais ils ne sont pas très généreux. Et il y a un pauvre qui vient, qui va dire, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent. Personne ne donne, alors celui qui est pauvre, il va dire, il va prendre un petit montant comme ça de sa poche, il va dire, regarde, ça c'est liwajillah azza wa jal, regarde, je vais te donner une sadaqa comme ça. Il le fait volontairement, même si lui... Normalement, il ne le ferait pas parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent, même lui-même, mais il le fait parce qu'il sait que les autres vont tous être tentés maintenant à aider une telle personne. Ça, c'est quand tu sais que tu es en train de le faire, les maqsadin shar'i, n'est-ce pas, c'est pour quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Mais si ton intention, c'est seulement que les gens te donnent de l'importance, même parfois, attention, il y a une autre forme de riya, d'ostentation qui est plus cachée encore. Imam al-Ghazali, rahimahullah, il parle de ça. Il parle de quelqu'un qui fait des actions en cachette, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas de ses actions ni rien du tout, mais c'est encore plus caché que ça, plus subtil en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il fait?
Lui, il va être en colère quand il voit que les gens ne lui donnent pas l'estime qu'il mérite normalement. Ça veut dire s'il passe devant les gens à la mosquée, etc., les gens ne viennent pas lui dire salam alaykoum ou bien lui sourire, lui donner un traitement spécial. Il va commencer à se demander des questions dans son cœur. Mais moi, je fais qiyam ul-layl, il commence à se faire qu'il ne se réveille pas pour moi, etc. Ça veut dire que tu es en train de le faire pour al-hayat al-dunya. Imam al-Ghazali, rahimahullah, lui-même, il dit que j'ai lu dans certains livres. Ils disent que celui, écoutez ça, il dit, j'ai lu dans certains livres, regardez comment que, parfois l'intention peut être très subtile et très précise. Il a dit, j'ai lu dans certains livres que celui qui a l'ikhlas, qui a l'intention pure pour Allah subhanahu wa ta'ala, pendant 40 jours, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner l'hikmah, la sagesse. Sa première chose, ce n'est pas un hadith ni rien du tout. Lui, il l'a lu dans certains livres, il pensait que c'était vrai, probablement qu'il était jeune, il était débutant, etc. L'imam al-Ghazali, il a dit, فَأَخْلَصْتُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. Je me suis efforcé d'avoir l'intention qui est pure, d'avoir l'ikhlas pendant 40 jours. Et après 40 jours, je n'ai pas trouvé d'effet. Je n'ai pas trouvé ni de hikmah, ni rien du tout. Il a dit, فَذَهَبْتُ إِلَىٰ أَحَدِ مَشَايِخِ. Je suis parti voir l'un de mes professeur pour lui demander la question. Voilà, telle et telle chose est arrivée. Explique-moi qu'est-ce qui est arrivé. Il a dit tout simplement parce que tu n'as pas fait le ikhlas. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que tu faisais tes actions pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour l'akhira, mais pour avoir al-hikmah. Ça veut dire que tu cherchais quelque chose de ce bas monde. Ton objectif, ce n'était pas de faire l'ikhlas pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais de faire l'ikhlas pour avoir الحكمة en quelque sorte. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب